Je me présente, je suis Luc Morel, je suis responsable d'affaires en infrastructure et réseau. Dans une de mes équipes, un monteur télécom a rencontré une situation dangereuse. L'insertion d'un feuillard derrière une boulotte GPC35, le câble était dénudé et le chantier a été arrêté. Appelé au début passe-feuillard, est né dans ma tête d'une invention dans mon garage. La pièce au début était en bois et elle permettait d'isoler le technicien de toute partie électrique contre le poteau. Après avoir réalisé plusieurs prototypes en plastique, j'ai contacté Telenco, avec qui je travaillais déjà énormément lors de mes déploiements télécom, et je leur ai suggéré l'idée. On a travaillé ensemble. Nous avons envoyé des prototypes vers Enedis pour que l'exploitant et ses sous-traitants les utilisent. Et après divers échanges avec Enedis et grâce à l'accompagnement de Telenco, nous avons développé cet outil. Le T-Pass offre une vraie solution aux techniciens. Il est léger, il peut se ranger dans la poche. Il est vendu par deux pour permettre d'être inséré d'un côté du poteau et de l'autre côté du poteau. Le T-Pass permet aujourd'hui de travailler en sécurité, c'est-à-dire que la pièce étant isolée, le technicien, lorsqu'il insère le feuillard, n'est pas en contact avec le câble qui se trouve à l'intérieur de la goulotte. Ayant travaillé plusieurs années dans le déploiement de la fibre optique, Telenco m'a toujours accompagné dans le choix des innovations, des règles quant aussi à la sécurité. J'ai choisi Telenco pour m'aider à avancer sur cette solution.